Gustav Mahler a dit: Die Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup convaincue. C'est bien de voir la tradition de cette façon. Que c'est pas quelque chose qui s'éteint, mais c'est quelque chose qui est là pour rassurer la continuation d'un esprit vif. La maille à la main, c'est une grande tradition qui appartient à tout le monde. Et après, les machines avec lesquelles je travaille, ce ne sont pas des machines industrielles non plus, ce sont des machines qui sont dédiées aux femmes qui travaillent à la maison et fabriquent les pulls pour leur famille. Je peux toucher, je peux caresser le tissu en dessous de la machine pour voir si tout se passe bien, il n'y a pas de maille qui tombe. Je prends aussi plaisir, bien sûr, des gestes que j'ai faits en répétition. Je vois aussi comment la pièce a grandi et je vois quand ça sort de la machine avec des fils que j'utilise et les techniques que j'installe. Au fur et à mesure, ça devient autre chose, moderne et inattendu. Et les gens ne peuvent pas croire que ça sort vraiment de ces machines-là. Je travaille plutôt avec mes oreilles qu'avec mes yeux. C'est pas possible de parler pendant que je tricote. Il y a beaucoup de bruits que j'aime bien. Les bruits qui m'aident aussi de comprendre ce que je fais. Les bruits qui m'aident aussi de comprendre si je faisais une faute. J'explique aussi aux gens qui travaillent avec moi qu'il faut absolument écouter aussi et comprendre par les sons si toutes les mailles sont encore là.